grand enjeu pour vous, c'est de vous faire aimer du département parce que vous n'aurez pas de meilleure publicité que les gens du département, en fait. Comment vous allez nous permettre de nous inscrire aussi facilement dans ce projet? Comment ça ne va pas être un projet, encore une fois, qui est venu, comme on le disait, prendre une parcelle de terrain pas très chère et qui s'adresse à des touristes de passage et que nous, on regardera de loin? On a beaucoup entendu Stade de France Paris, Stade de France Paris, pas forcément Stade de France Saint-Denis, parce que on cherche juste un terrain vague qui coûte pas trop cher, mais on va continuer à dire Europa City s'installe à Paris. Ou est-ce que réellement on va assumer ce choix d'implantation et on va se dire Europa City s'installe en banlieue parisienne en tout cas? Si on remarque bien, c'est souvent les gens de banlieue qui viennent sur Paris et pas trop le contraire. Si on crée des emplois et qu'on fait amener tout ce qui est aux alentours d'Europa City, c'est-à-dire les villes comme Gonesse, Sarcelles et autres, bah, ça permettrait aux gens de Paris, des gens d'ailleurs, bah, de côtoyer bah, des personnes de banlieue et du coup ça changerait les images aussi par le temps. Nous, ceux qui habitent en banlieue, on peut aussi changer d'avis sur les Parisiens parce qu'on ne pense pas tous la même chose des Parisiens. En fait, on est différents dans la façon où on est élevé, là où on a grandi. Ils ont été élevés à façon parisienne, moi. Façon stanoise. Si on valorise l'image de la France, si on valorise l'image de notre région du Val-d'Oise, il faut passer par la mixité, le vivre ensemble. Si on met à l'écart, comme disait monsieur, les petits jeunes ou les gens des quartiers défavorisés, ça ne marchera pas. Ils vont venir, est-ce que c'est pas les mêmes prix qui vont être pratiqués pour les touristes que pour les habitants? À un moment donné, il va falloir faire un choix et je ne sais pas quel choix vous allez faire. Il faudrait déjà que ça soit accessible, c'est-à-dire au niveau transport et puis financièrement. Parce que si on proposait des boutiques de luxe, ou, enfin, je veux dire, là, clairement, ça ne profitera pas aux gens d'ici. Moi, Europa City, j'y crois pas. Directement, moi, j'y crois pas. Je vois d'où c'est. Certes, il va y avoir un métro, mais déjà, on a encore le temps. Parce que c'est le métro 17, alors qu'on s'est à peine arrêté au 14. Donc, déjà, sortez les derniers, après, on parlera de 17. Les centres commerciaux, c'est bien, mais... Il y en a partout. Enfin, quand on rentre dans un centre commercial, c'est pour acheter, acheter, acheter. Société de consommation, merci. Mais bon, c'est plus trop ce que je vois aujourd'hui. Enfin, c'est passé, je trouve. Enfin, faut innover dans autre chose, en fait. En fait, j'adore le jeu vidéo. Et du coup, en fait, je commence à aller sur le domaine de l'e-sport avec quelques jeux. Et ça, c'est vrai que ça ferait plaisir. Si ça peut organiser des événements, par exemple sur League of Legends... Sur plein d'autres jeux, sur Counter-Strike, sur voilà, oui, ça ferait venir du monde. Les matchs, ils les font dans leur quartier. Mais là, comme c'est un lieu neutre, tu peux inviter, en faisant un tournoi, tu peux inviter Aulnay, tu peux inviter Sevran, tu peux inviter Gonesse. À partir de là, voilà, socialement déjà, on a gagné quelque chose, c'est qu'on fait des rencontres. Sur le projet, il va y avoir des espaces verts. Pourquoi ne faisons pas aussi un jardin d'insertion sur le territoire qu'ils ont choisi ici, ça a du sens, ça permet de créer un espace, mais en même temps, un espace qui va profiter aux habitants du territoire. Si on bétonne partout, au bout d'un moment, on n'arrivera plus à respirer. Ce sujet-là de la permaculture, il est primordial. Et ça a sa place, surtout si vous me dites que vous gardez des espaces de terre, des espaces vierges. Je reviens au quartier qui se répète toujours la même chose, des jeunes qui restent à la cité. Des fois, il faut changer d'air, il faut découvrir la nature. Moi, avant, je ne connaissais pas la ferme. Moi, je n'ai jamais vu une vache de ma vie. Important d'investir aussi par la culture ces territoires-là pour les rendre justement meilleurs aussi et de faire en sorte que les populations ne soient pas séduites par le repli sur soi, le repli communautaire et justement parce que aussi ça offre des moments de rencontre, des moments de partage, ça fédère aussi des diversités, qu'elles soient sociales, culturelles et intergénérationnelles. La question qui me vient, c'est en effet, quelle culture et ce vers quoi vous voulez aller? En effet, proposer un concert de Madonna et une pièce de Brecht, c'est pas la même chose. On dit qu'il faut faire des musées à Europa City. Donc, faut mettre les tableaux des trucs, des peintres français. Nous tous, on connaît que Picasso ici. Moi, je connais que Picasso quand même. Moi, je connais pas d'autres peintres. Si le terrain il est vide, on pourrait l'occuper comme un festival et de se dire, en fin de compte, ce quartier-là, enfin, pas ce quartier-là, enfin, si, on faisait des. Voilà. Des gros festivals, pourquoi pas, ouais. Je disais que de faire des activités éphémères, ce serait possible. En ayant peut-être des locaux, comme il dit, pas très chers, ça permettrait de voir ce que ça peut donner et ce qu'on veut faire au final. You can do the infrastructure, you can do all of that, but at some point, you've got to have the début, la nuit début, they're going to take over. They're not allowed to do that, no matter, they're going to take over, they're going to do it. You have to accept
the unexpected, that which breaks the rules, that's not easy. C'est bien beau, lieu de rencontre, lieu de loisirs, tout ça. Mais les gens, ils ont des bouches à nourrir, ils ont des enfants. Le mieux, ça serait de promettre au petit peuple, genre les gens qui sont de banlieue, de Sarcelles, Villiers, Lebel, Gonesse, tout ça, des vraies promesses d'emploi avec des vrais trucs, des sécurités sociales, tout ça. Quand j'entends donc commerce, hôtellerie, restauration, et qu'on sait qu'ici, sur notre territoire, il n'y a aucune formation en hôtellerie, restauration, ça me fait peur. À l'ouverture d'Aéroville, on a comptabilisé 17 personnes de l'Est du Val-d'Oise qui ont été embauchées sur des milliers d'emplois. Il faut que le projet porte bien son nom. Quand on parle de l'Europe, on parle d'une diversité de tous les pays d'Europe. Donc forcément, on ne s'attend pas à voir que... on ne s'attend pas à voir que des Blancs, par exemple, qui travaille à Europa City. Vous allez faire appel à des grandes entreprises. Vous voulez du bénéfice, vous voulez des clients. Enfin, le but, c'est d'avoir du profit. Donc, je doute que l'engagement que vous prenez pour travailler avec les jeunes créateurs des trois départements sera vraiment réalisable. J'y vois avant tout des intérêts commerciaux et pas l'intérêt général. Il y aura des bénéfices. À qui seront-ils distribués ces bénéfices? Aux investisseurs chinois ou à la collectivité ou aux collectivités qui vont porter ça? Ils savent déjà ce qu'ils vont mettre en place là-bas. Il y a peut-être des compétences, des choses qu'il faut développer. Et ça passe par la formation. Pourquoi ils n'essaieraient pas de rentrer en contact, de travailler en partenariat avec les services jeunesse, etc., pour voir quel jeune pourrait faire quelle formation plus tard pour travailler à Europa City. Territoire comme le nôtre crée des richesses depuis longtemps. Cette réussite ne reste pas là où elle est. Le problème, c'est qu'elle s'en va. Parce qu'en général, quand vous avez galéré dans un endroit pour y arriver, vous ne voulez pas que vos enfants passent par les mêmes galères que vous avez vécues. Si jamais Europa City lance une nouvelle dynamique dans laquelle j'entreprends en faisant attention autour de moi à ce qui existe et voire à l'améliorer, et bien pour moi, ce sera une vraie démarche innovante. Si vraiment on voulait être innovant, il faudrait commencer par inventer un dispositif dans lequel les acteurs locaux sont forcément concernés ou impliqués. On ne peut pas mettre en place un projet sans impliquer les personnes qui y vivent. Mais en fait, on n'y vit pas seulement, on est acteur de ce territoire. Il nous appartient ce territoire. Donc en tant qu'acteur, en tant que personne qui y vit, je veux être impliquée. On souhaite tous être impliqués.